Les imprimeries Bourgontoises, c'est imprimeur de père en fils depuis 4 générations. 1893, date de création. Le travail que l'on réalise, donc, c'est de la carte de visite à la brochure en petite, grande ou voire très grande quantité. Notre travail de tous les jours se décompose, on va dire, en deux gros secteurs. Le journal publicitaire, Publitour, et la partie imprimerie. Et dans cette partie imprimerie, plusieurs sous-rubriques, donc tout ce qui est imprimé de circonstances, imprimés commerciaux, imprimés publicitaires. Avant de travailler avec le programme Multipresse, on va dire que c'était plutôt archaïque, dans le sens où, on avait nettement moins de demandes de prix. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je pense que les conditions, la situation économique fait que beaucoup plus de monde demande un avis avant de commander quelque chose. Avant, c'était plus, je les connais depuis des années, je leur fais confiance et le prix était le mien, enfin, leur prix était le mien. On avait quand même moins de boulot administratif et ça se faisait un peu avec, sur la même base, je vais dire, que le travail de Multipresse, mais ça se faisait de manière papier, donc ça veut dire que le prix de l'infographie, le prix de l'impression, le nombre de plaques, le nombre de feuilles, le nombre de coupons, mais tout ça se faisait plutôt sur une fiche papier. Et puis quand cette fiche papier était terminée, il fallait de nouveau refaire monsieur, madame un tel, je vous prie de trouver votre remise de prix, et on retapait toutes les remises de prix et on envoyait ça par fax encore à l'époque. Le travail de vie était pharaonique, puisqu'il fallait chaque fois recommencer à zéro le travail, quoi. Que maintenant, avec Multipresse, évidemment, il y a quand même beaucoup de travaux similaires, si ce n'est que la quantité change, ou le nombre de couleurs change, ou un peu le type de papier. Mais je veux dire, la base est quand même beaucoup plus facile. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que ça, quand votre mise de prix est faite, ça part directement par mail et voilà, c'est terminé. Ça me prenne le moins de temps possible parce que c'est quand même du travail qu'il faut faire obligatoirement, mais qui n'est pas très productif, qui ne rapporte pas. Et donc, autant limiter un maximum le temps, au minimum le temps à ça.